fois passée, nous avons lu dans le livre de Jérémie 29, verset 11. Là, Dieu nous dit qu'il connaît les projets qu'il a formés pour nous. Projets de bonheur et non de malheur. Nous avons fait un certain commentaire sur cela. Nous avons démontré comment Dieu a formé un projet et qu'il est le seul à le connaître. Tu ne le connais pas, je ne le connais pas, c'est Dieu seul qui le connaît. Et nous avons parlé si nous pouvons faire confiance à Dieu. Nous avons cité, nous avons lu quelques versets qui nous ont démontré que oui, nous devons faire confiance à Dieu. Dieu dit que le projet de son cœur doit réussir, qu'il fera tout pour faire réussir ce qu'il a dit, ce qu'il a déclaré, il arrivera à accomplir cela. Nous avons démontré comment est-ce que Dieu est puissant par son intelligence. Il fait tout ce qu'il fait, il le fait avec intelligence et avec sagesse. Nous avons démontré comment est-ce que Dieu dit qu'il ne se calmera jamais jusqu'à ce qu'il ait accompli ce qu'il avait décidé de faire dans ta vie, dans ma vie. Que Dieu, sa colère est là et sa colère ne se calmera jamais jusqu'à ce qu'il ait accompli ce qu'il avait décidé de faire dans ta vie. Nous avons parlé comment est-ce que les principautés, les autorités dans le lieu céleste se tournent quand ils te voient passer. Ils voient la sagesse infiniment variée de Dieu en toi, du fait que les choses que Dieu a déclarées arrivent à s'accomplir dans la vie d'un homme qui n'est que poussière. Au ciel, il y a des êtres magnifiques, des êtres remplis de puissance. Et nous, les hommes, nous ne sommes que poussière. Nous avons été pris dans la terre, Dieu nous a formés dans la poussière. Et ces choses-là arrivent à s'accomplir dans notre vie. Les démons s'étonnent et ils s'étonnent, ils se disent vraiment Dieu est sage quand ils voient cela s'accomplir dans nos vies. Aujourd'hui, nous continuons avec notre enseignement. Devons-nous faire confiance à Dieu? La réponse était oui. Pourquoi il est question de faire confiance à Dieu? Parce qu'ici, ce que Dieu nous demande, c'est de lui laisser le contrôle total de notre vie. C'est pourquoi il dit, je connais, je suis le seul à connaître ce projet. Personne d'autre ne le connaît. Donc, nous devons lui faire confiance, lui laisser totalement prendre la direction, c'est-à-dire le contrôle de notre vie. C'est-à-dire faire sa volonté et non notre volonté. C'est la volonté de Dieu qui doit compter par-dessus tout. Laisser le contrôle de sa vie entre les mains de Dieu revient à dire, Dieu nous demande une obéissance totale. Nous savons que nous obéissons tous à Dieu. Mais ce que Dieu nous demande, c'est plus que l'obéissance. Des fois, nous devons aller au-delà. Dieu appelle Abraham. Il dit, sors de ton pays, de la maison de ton père, va dans les pays que je te montrerai. Il ne lui dit pas où se trouve le pays. Il dit, va dans les pays que je te montrerai. Et ne lui avait pas encore montré les pays. Mais Abraham est sorti de chez ses parents pour aller dans une direction inconnue. Et Dieu avait guidé ses pas. Donc, des fois, nous demandons à Dieu de nous donner certaines précisions. Cela arrivera lorsqu'il s'agira de donner certaines précisions pour savoir si vraiment Dieu veut que nous fassions ceci, si vraiment Dieu veut que nous soyons ici, si vraiment Dieu veut que nous allions là-bas. La première chose de faire, c'est de laisser Dieu prendre le contrôle total de notre vie, c'est-à-dire nous lui devons une obéissance totale, à tel point que notre volonté cesse d'exister. Seule la volonté de Dieu compte. Notre Père,
qui es aux cieux, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. En laissant Dieu prendre le contrôle total de notre vie, cela veut dire que nous accomplissons maintenant la volonté de Dieu. Nous allons où Dieu nous dit d'y aller. Nous faisons ce que Dieu nous dit de faire. Nous marchons comme Dieu veut que nous marchions. Nous parlons comme Dieu veut que nous parlons. Et cela est une obéissance totale. Qu'est-ce qu'une obéissance totale? Matthieu 16, 21 à 23. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. C'est la parole de Dieu. Je prends ce cas de Pierre pour nous montrer qu'est-ce que une obéissance totale à Dieu, afin que Dieu puisse prendre le total contrôle de notre vie. Là, Pierre pense qu'il fait une bonne chose. Vous savez, lorsque vous sentez en vous que vous êtes en train de faire une bonne chose, ce n'est pas facile d'abandonner. Même si on vous parle, même si on vous dit, mais si vous ne voyez pas le mal dans ce que vous faites, c'est très difficile d'abandonner. La Pierre pense pouvoir faire une bonne chose. Jésus est en train de dire les choses qui doivent arriver afin que la volonté de Dieu s'accomplisse dans sa vie. Voilà Pierre qui le prend à côté pour le reprendre et lui dire que cela n'arrivera jamais. Pierre pensait faire une bonne chose. Deux fois, dans nos vies, il nous arrive des situations semblables. Où vous pensez, où vous voyez que vous avez raison dans telle ou telle chose. Alors que la parole de Dieu y dit autrement. Vous pensez que vous avez raison d'agir ainsi. Vous pensez que vous avez raison de prendre une telle décision parce qu'on vous a fait ceci, parce qu'on vous a dit cela, parce que. Et si cela va à la compte de la parole de Dieu, même si c'est une bonne chose, vous devez abandonner. Vous devez suivre la volonté de Dieu. Vous devez obéir à Dieu lorsque vous êtes convaincu que vous êtes, même si vous êtes convaincu que vous êtes en train de faire une bonne chose qui ne dérange personne. Nous devons à Dieu une totale obéissance, une soumission totale, afin qu'il dirige, qu'il nous dirige jusqu'à notre destination. Car c'est lui qui connaît la destination. Il est question d'obéir totalement à Dieu. Dans le livre de Jean 13, à partir du verset 5 jusqu'au verset 11, nous allons lire. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant. » Mais tu le comprendras bientôt. Je reprends cette phrase. Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant. Mais tu le comprendras bientôt.
Pierre lui dit, « Non, jamais tu me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Là, nous sommes devant, on vient de donner une instruction, on vient de donner un ordre. Pierre ne comprend pas. Jésus lui dit, « Je sais que tu ne comprends pas. » Nous devons obéir à Dieu, même lorsqu'on ne comprend pas. De voir, nous voulons que tout nous soit démontré. Même si on ne comprend pas, on doit faire confiance à Dieu. Parce qu'il dit qu'il connaît. Ce n'est pas toi, ce n'est pas moi, ce n'est pas quelqu'un d'autre, mais c'est Dieu seul qui connaît. Donc, nous devons lui faire une confiance totale, c'est-à-dire une obéissance totale. Même lorsque nous pensons que nous agissons bien, nous devons lui faire confiance et obéir qu'à lui. Même lorsque nous ne comprenons pas, des fois, nous obéissons aux choses que nous comprenons très bien, aux choses que nous voulons que ce soit ainsi. Nous pensons que, voilà, il faut qu'on me fasse ceci, qu'on me fasse cela. Mais lorsqu'il est question de faire cela envers les autres, ça devient un problème. Puisque, bien aimé, les gens ne comprennent pas les choses de Dieu. Nous devons comprendre les choses de Dieu selon la pensée de Dieu et selon la volonté de Dieu. J'ai vu beaucoup, grand nombre de chrétiens quitter les églises. Pourquoi? Ils disent, oh, dans cette église, il n'y a pas l'amour. Waouh! Qui t'a dit qu'on vient à l'église pour qu'on vous donne l'amour? On ne vient pas à l'église pour qu'on vous donne l'amour. On vient à l'église pour que vous donniez l'amour. C'est ce que la Bible nous demande. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force. Aime ton prochain comme toi-même. Voilà ce que la Bible dit. Et les gens trouvent cela difficile. Alors ils cherchent le moyen le plus facile. Il faut que je sois aimé. Il n'y a pas l'amour dans cette église. C'est toi qui dois démontrer. Quand tu dis qu'il n'y a pas l'amour, tu dois comprendre que c'est toi parce que tu n'as pas encore démontré l'amour. C'est à toi de montrer l'amour dans l'église. On va à l'église pour aller montrer aux autres que nous les aimons, que nous les supportons. Nous voulons, nous obéissons seulement lorsqu'il s'agit de choses faciles. Lorsque Dieu nous demande des morceaux durs, nous résignons. Nous disons que non, ça ce n'est pas la parole de Dieu. On va à l'église pour donner l'amour. Pierre n'avait pas compris. Il dit, tu ne peux pas me laver les pieds. Toi, mon Seigneur, me laver les pieds. Toi, Jésus, les maîtres, me laver les pieds. Cela n'arrivera pas. Jésus lui dit, tu ne comprends pas, mais il faut que je te lave les pieds. Pierre dit, pas seulement les pieds, alors lave-moi tout entier. Jésus lui dit, Pierre, si je ne te lave pas, tu n'entreras pas. C'est-à-dire, il y a là une menace. Tu ne prendras pas part au ciel avec moi. Tu vois à quel point Pierre avait résisté. Pourquoi? Parce qu'il ne comprenait pas. Mais au fait, qu'est-ce qui est arrivé à la fin? Jésus leur avait tous lavé les pieds, y compris Pierre. Pierre a laissé Jésus laver ses pieds, bien qu'il ne comprenait pas. Bien qu'il n'avait pas accepté ce que Jésus faisait. Mais il a laissé Jésus faire. Voilà ce genre d'obéissance que nous devons donner à Dieu. Même lorsqu'on ne comprend pas, même lorsque ça nous fait mal, nous devons obéir à Dieu. C'est cela, laisser Dieu prendre le contrôle de notre vie. Une soumission totale. Ne pas marchander avec Dieu lorsque les choses, lorsque les situations nous arrivent. Nous devons comprendre que tout ce qui nous arrive concourt. C'est-à-dire, ce sont des options que Dieu nous montre. Voilà, ceci arrive. Tout ce qui nous arrive concourt. C'est-à-dire, contribue. Tout ce qui nous arrive contribue à notre bien. C'est-à-dire, c'est une contribution. Même si ça nous fait mal, même si nous voyons dans ces cas-ci,
nous avons perdu, mais cela est une contribution pour notre réussite. Alléluia. Dieu ne fait jamais au hasard. Tout ce qu'il fait, c'est bien calculé. Il dit, je connais. Et il donne la pression. Il dit, projet de bonheur et non de malheur. Projet de bonheur pour un bon avenir, pour un bon futur. Avec Dieu, c'est une garantie. C'est pourquoi il dit, je connais. Quels que soient les problèmes qui nous arrivent, cela contribue à notre réussite. Cela contribue. Cela ne nous fait pas reculer, bien au contraire, nous pousse vers notre destination. Cela nous pousse, même si ça fait mal, même si vous pensez que non, je suis en train de régresser. Non, cela vous pousse, ou bien au contraire, cela vous met dans le bon chemin de Dieu. Alléluia. Souvenez-vous, la parole de Dieu dit que le chemin qui mène à la vie, c'est le chemin étroit. Et ce chemin est plein d'obstacles. Il y a le chemin qui mène à la perdition qui est large. Et beaucoup de gens se trouvent là-bas. Pourquoi? À cause de la facilité. C'est un chemin large et personne ne vous bouscule. Vous parlez, vous marchez, même si vous voulez vous coucher, personne ne va marcher sur vous. Mais lorsque vous choisissez le chemin étroit, vous ne pouvez pas vous coucher sur le chemin. Et il y a des gens qui vont vous piétiner, il y a des gens qui vont vous marcher dessus. Et c'est le chemin qui mène à la vie. Et tout cela, il n'y a pas un hasard dans ce chemin-là. Tout est calculé et bien dosé. Alléluia. Nous devons à Dieu une obéissance totale, enfin, qui nous amène à notre destination. Quand nous parlons que Dieu nous amène à notre destination, il est ici question de conduite. Dieu doit nous conduire. Il doit nous conduire, nous prendre d'un point A pour nous amener à un point B. C'est-à-dire, il y a une trajectoire que nous devons suivre. Nous ne restons pas sur place. Il y a une marche que nous faisons avec Dieu, ensemble. Et dans cette marche, dans ce voyage, Dieu veut que nous soyons avec lui, que nous soyons attachés avec lui, que nous lui faisions confiance, que nous n'écoutions que lui, pas quelqu'un d'autre. Parce que lui, il connaît. Il doit nous conduire. Vous savez, Jésus-Christ, avant de mourir, il a donné certaines instructions à ses disciples. Il leur a dit qu'il a beaucoup de choses à leur dire. Il dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les porter maintenant. Ça, ce sont les gens qui ont vécu avec Jésus-Christ, qui ont vu Jésus-Christ, qui ont vu Jésus faire les miracles. Mais Jésus dit que leur dit que j'ai beaucoup de choses que vous ne pouvez pas les porter maintenant. Il avait beaucoup de choses à leur dire, mais il ne pouvait pas les porter. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, dans cette marche que nous avons avec Dieu, nous avons besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit nous guider. C'est lui. Lorsque nous disons faire confiance à Dieu, c'est-à-dire laisser le Saint-Esprit nous conduire. Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu le Père et Dieu le Fils en nous. Le Dieu Tout-Puissant qui vient habiter en nous par le Saint-Esprit. Et c'est lui qui nous conduit. Et lorsque nous avons le Saint-Esprit maintenant va nous aider à comprendre les choses de Dieu. Jésus avait dit que j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les porter parce que vous n'avez pas encore le Saint-Esprit. Mais lorsque le Consolateur viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Donc nous avons le Saint-Esprit, nous devons obéir à Dieu, c'est-à-dire laisser le Saint-Esprit nous conduire dans toute la vérité. Pas la moitié de la vérité, pas les trois quarts de la vérité, pas les 90% de la vérité,
ou 95, parce que vous voyez, quand vous voyez 95, vous dites, bon, c'est déjà assez. Ou bien 99% de la vérité, mais c'est-à-dire 100% de la vérité. Le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. Pourquoi lui, il va nous conduire dans toute la vérité? Dieu dit, je connais les projets. Et le Saint-Esprit est le seul qui sonde les voies de Dieu. La Bible dit que les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Nos pensées sont d'en bas et nos voies. Les pensées de Dieu et les voies de Dieu sont d'en haut. Personne ne peut monter en haut pour sonder les voies de Dieu, pour connaître la pensée de Dieu. Seul le Saint-Esprit est capable de le faire. Le Saint-Esprit, il monte, il prend les pensées de Dieu, il prend les projets de Dieu. Parce qu'il n'y a que Dieu qui le connaît, le Saint-Esprit le prend et il descend avec, il nous le donne. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici arrivés à la fin de cette deuxième partie sur notre enseignement, la direction divine. Moi, votre humble serviteur, le pasteur José Kitoko-Katende, vous remercie pour votre attention. Nous vous remercions aussi pour vos coups de fil. Nous vous remercions pour vos emails que vous nous envoyez. Si vous voulez devenir un partenaire pour ce programme, n'hésitez pas, bien-aimé, contactez-nous. Nos adresses sont affichées. Votre rapport nous sera vraiment profitable.